Donc, nous avons dit que si dans 3 jours vous aviez toujours de la fièvre, alors vous revenez me voir sans faute. Entendu ? Mademoiselle... Je m'appelle Elvira. Oui. Excusez-moi. Mademoiselle... Baume. Vous avez déjà parlé avec ma femme ? Je crois qu'il y aurait intérêt à ce qu'elle jette un coup d'œil à vos radios. C'est que c'est difficile d'obtenir un rendez-vous avec votre femme. Eh bien, comme ça, vous verrez qui de nous deux est le meilleur médecin. Je vous prends un rendez-vous. Vous pouvez vous rhabiller, mademoiselle. Bonjour. Madame. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Pourriez-vous me dire où se trouve ma femme, je vous prie? Votre femme est à la radiographie. Un petit instant, je vais voir où elle en est. Ce n'est pas encore à vous, madame Berger. Si vous voulez bien vous asseoir. Votre mari vous cherche, il est dans votre bureau, madame. Je ne te voyais pas ici à la clinique, je ne te verrai plus du tout, j'ai l'impression. Tu es à la maison ce soir? Non, tu sais, il faut que j'aille à la clinique de la fac. Voir Brett Schneider. À vrai dire, j'étais juste passé prendre rendez-vous pour cette demoiselle Baum. Elvira Baum. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ces radios. Ah, et ensuite? Comment ça, ensuite? Après la clinique? Ah, oui. Alors? Pourquoi tu m'en regardes comme ça? Je voulais voir s'il t'était encore possible de me regarder dans les yeux. Tu n'as qu'à me l'envoyer tout de suite. Comment s'appelle-t-elle déjà? Elvira Baum. Qu'est-ce que tu veux dire tout de suite? Je viens de te le dire, tu n'as qu'à l'envoyer tout de suite. Merci. Allez-vous, monsieur, ça va être à vous dans un instant. Je n'ai plus le temps d'attendre. Où est madame Sikorski? C'est vous, madame Sikorski? Oui. Vous êtes mademoiselle Baum? Oui. Je vais vous demander d'attendre. Le sujet donne l'impression d'être détendu, il est sympathique, à en juger par la clinique, il semble très prospère. Mais en réalité, il s'avère qu'il est très endetté, qu'il ne cesse d'être mêlé à des affaires plus que douteuses. C'est ce que mes recherches d'aujourd'hui ont révélé. Le sujet est dans une situation où il pourrait être à la merci d'un éventuel chantage. Par exemple, pour prescrire des drogues ou ce genre de choses. À 17h05, j'ai quitté la salle d'attente de la clinique. Oui? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend de vous montrer comme ça à la consultation? Il n'en a jamais été question. Je vous l'avais dit expressément, je crois. Je veux vous voir tout de suite. C'est compris? C'est compris, je suis tout à côté. Je vous attends dans la voiture. À 2 pas d'ici, il y a un café. Je pourrais m'absenter pendant un petit quart d'heure, disons dans 5 minutes. Je compte sur vous. Oui, c'est d'accord. Êtes-vous venu chercher la clinique, monsieur Bogdan? Je voulais apprendre à le connaître, voir quel genre d'homme c'est, de quoi il a l'air. Je vous avais bien dit, je crois que je vous fournirai une photo. Je voulais le voir de mes propres yeux. Et alors? Vous allez le faire? Si vous voulez, je peux vous dire tout ce que j'ai déjà appris sur votre mari depuis ce matin.
Je me suis déjà démené aujourd'hui. Pas besoin qu'on me parle des mauvaises affaires de mon mari, je suis au courant. Votre Bloody Mary, monsieur. Merci. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi? Merci, rien, je m'en vais tout de suite. Je suis désolée, mais une consommation est obligatoire. J'invite ce monsieur et le reste est pour vous. Est-ce que ça vous va? Merci, mais ce n'était pas nécessaire. Non, ce n'était pas nécessaire. Vous avez du tabasco? Je suis désolée, il n'y a plus de tabasco. Oh. C'est que j'aime mon mari malgré tout. Ou disons que je l'aime toujours, Monsieur Bogdan. Il ne s'agit pas de ses affaires. Ça m'est déjà assez pénible comme ça. Vous voulez le nom et l'adresse de la femme avec laquelle votre mari a une aventure? Je vous ai compris. Ceci est un premier acompte. Mon mari va quitter la clinique vers les 19h environ. Il faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que tu cherchais dans mon bureau? Tu ne dois pas mettre le désordre dans mes affaires, je te l'ai pourtant dit plusieurs fois, je crois. Oui. Oui, excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu cherchais? Tu as dilapidé tout notre argent. Tu t'es approprié le produit de mon travail. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Je cherche ton dossier sur Peter Wolfram. Oui, je l'ai mis sur ton bureau ce matin, ce dossier. C'est inouï que tu sois incapable de trouver les choses. Depuis quand quittes-tu la clinique pendant tes consultations? J'ai été m'acheter de quoi dîner pour ce soir. À moins que tu ne m'invites avec Brett Schneider, après tout. Oui. Écoute, je te téléphonerai, mais je te préviens, ça ne sera pas de bonne heure. Non, non, je t'en prie. C'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de malade? Si, si. Tu sais, j'ai l'impression parfois que quelqu'un m'observe. Peut-être que ça a un rapport avec ton travail avec Brett Schneider. C'est intéressant, mais pas à ce point-là. La recherche génétique est particulièrement intéressante. Enfin, je crois. Ah oui, bien sûr, si un jour elle me fait faire fortune. Oui. Là, ce sera intéressant. Peut-être que tu m'appelleras tout à l'heure. Oui. Est-ce que je peux faire entrer la prochaine personne, docteur? Non, non, encore une petite minute. Pas tout de suite, s'il vous plaît. Weinert au 6193-745. Vous pouvez, si vous le désirez, laisser un message sur ce répondeur automatique et nous vous rappellerons dès notre retour. Veuillez attendre la fin du bip sonore. Madame Sikorski à l'appareil. Désolée de ne pas vous joindre personnellement, monsieur Weinert. Tant pis, il faudra que ça se fasse au téléphone alors. Nous sommes jeudi en fin d'après-midi, très exactement peu avant 18h. Ainsi que je vous l'avais déjà laissé entendre, je désire que vous interrompiez votre surveillance. Je vous appelle donc pour mettre un terme à votre collaboration. Je suis entièrement satisfaite du résultat. Je vais de mon côté détruire le dossier concernant votre surveillance. Veuillez en faire de même. Et puis je vous demanderai de bien vouloir m'envoyer le montant de vos honoraires, non pas à l'adresse de la clinique, mais au bureau de poste central, poste restante
Je t'aime, Klaus. Et si c'était important pour une fois? Oui, qui est-ce? Je t'ai déjà dit de répondre par ton nom, maman. Oh, mais je ne sais jamais comment faire. Madame Bogdan ou Agence Bogdan? De toi qu'il s'agit, Madame Bogdan, tout simplement. Madame Bogdan, maman. Tu peux me passer, Verena? On est jeudi aujourd'hui. Ça t'est sorti de la tête. Jeudi, pourquoi jeudi? Oh, oui, jeudi, oui, c'est exact. Oui, le jeudi, elle a son jazz, tu sais. Et ensuite, elle va normalement dîner avec sa copine. Et si elle appelle, dis-lui qu'elle peut me joindre au radio-téléphone ce soir. Oh, ça va être compliqué. Non, maman, non, tu lui dis juste que je l'aime. Ça, c'est ce que je ne ferai en aucun cas. En aucun cas. Et pourquoi vous vous entendez pas, maman? Tu as donné quelque chose à manger au chat ce matin? Oui. Je veux d'ailleurs m'en aller. Tout ça ici, c'est pas une vie pour moi. Je veux aller dans une maison à moi, oui. Écoute, maman, il faut que je te quitte. J'ai plein de choses à faire. Vous n'avez pas entendu venir. Je croyais que vous étiez déjà parti. Il vous faut encore quelque chose. Vous ne vous sentez pas bien, madame? Vous voulez que je vous fasse quelque chose à manger? Non, non, merci. Ou que j'aille chercher du bois pour la cheminée? Non, non, merci, madame Bellhaus. Rentrez chez vous, il est déjà bien assez tard. Et n'oubliez pas que demain, vous avez congé. Je finis juste de ranger un peu mon linge. Bonne soirée. Et bonsoir. Les Japonais avaient essayé de piquer le marché, alors là, je me marre. Super, ça montrera à ces salopards de quel bois on se chauffe. Non, mais vrai, il a même plus quitté d'une semaine. Et il est heureux jusqu'à la fin du week-end. Après, monsieur le professeur monte dans sa chambre. S'il vous plaît. 104, oui. Voilà. Je vous en prie. Merci, monsieur Dracy. Qu'est-ce que tu dis? Hein? C'est vrai? Oh, excusez-moi. Oh, pardon, non, merci, ce n'est rien.
Oui, monsieur Dressick. J'ai oublié un détail. Qu'est-ce que vous nous suggérez de prendre pour le dîner ce soir? Je peux vous proposer un excellent homard accompagné d'asperges ou truffes. Et ensuite, peut-être une petite salade de saison. Et bien entendu, comme toujours, votre chablis, la va sans dire. Oui, tout ça me semble excellent. Oui. Oui, mais pas tout de suite. Je vous rappellerai quand ce sera le moment. Je préfère attendre un peu. Ah, vous préférez attendre un peu? Mais bien entendu, monsieur le professeur, cela va de soi, naturellement. J'ai des chambres qui donnent sur la cour, disponibles. Enfin, c'est comme vous voulez. C'est loin d'être complet. Non, ça ira comme ça. Je fais partie des gens qui ne peuvent pas s'endormir sans bruit. Oui, ça existe. Il y en a même de plus en plus. Oui. S'il vous fallait autre chose, vous n'avez qu'à faire le numéro 9. Très bien. Rien de spécial, vous êtes sûr? Je veux dire... Non, merci. Alors... Bonjour, cher professeur. Avec mes sabots, rencontrer trois capitaines. Avec mes sabots d'Ordaine. Non, je n'ai pas raccroché. Dommage. J'aurais bien aimé venir dîner avec Brett Schneider pour une fois. Pourquoi toujours me faire des coups pareils? Qu'est-ce que tu dis? Non, je suis pas bizarre. Je ne faisais qu'écouter ce que tu me disais. Oui? Madame Sikorsky? Oui? C'est moi, Detlev Bogdan. Votre mari vient de vous appeler, n'est-ce pas, à l'instant? Où êtes-vous? Je suis dans la pension Hauenstaufen, chambre 12. Votre mari est juste en face. Et où est mon mari? À l'hôtel Exposite, chambre 104. Je ne sais pas si j'aurai assez de lumière pour photographier, je vous promets rien. Est-ce que... Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle est déjà là? Non, pas encore. Vous voulez que je vous appelle quand elle arrivera? Non. C'est compris, excusez-moi. Il vaut peut-être mieux que je vous appelle demain matin, d'accord? Oui. Mmh.
dire, qu'est-ce que vous faites là? C'est que personne ne m'a ouvert, madame. J'ai pourtant sonné. Enfin, vous voulez me laisser passer, s'il vous plaît? Madame, je m'appelle Weinhardt. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je vous comprends si bien, madame. Mon mari a travaillé pour vous. Les hommes sont tous des... Non, mais dites-moi, je n'ai pas besoin de votre approbation et encore moins de votre solidarité. C'est compris? Alors, pour la dernière fois, qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin d'argent. Mon mari a tout simplement fichu le camp, je n'ai plus un sou. Et vous voulez rire, non? Vous me laissez passer, oui ou non? Je peux détruire les dossiers, moi, si vous voulez. Vous voulez me faire chanter? J'ai besoin d'argent. Bonsoir, madame. Ma chérie. Madame? Il n'y a pas longtemps que ça s'est passé. Environ une heure, vers 9h30, 10h. Probablement morts sur le coup tous les deux, mais ça, on le verra à l'autopsie sans doute. Lui, il a reçu 2 balles. Et la fille, 1. Bon, c'est fini pour moi. Au revoir, monsieur Kress. Au revoir. Pas besoin de vérifier, Léo. La serrure n'a pas été touchée. Oui, et vous êtes qui? Les garçons d'étage.
C'est moi qui les ai trouvés. La porte de la chambre était juste un peu, comment dire... Il était environ quelle heure, vous vous en souvenez? À peu près... juste avant 9h30, à 9h30, normalement, je termine mon boulot. Hein. Et ça sera tout, alors? Et vous voulez bien donner votre adresse à mon collègue à la réception, en bas? Oui? Excusez, avant, je n'ai jamais vu des morts, vous comprenez? Eh, je sais ce que c'est. laissez donc le chariot, s'il vous plaît. Bah, il a qu'à l'emmener tout de suite. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il n'a même pas été dans la chambre. Bon. Bien, merci. Voilà les papiers des deux personnes. Mais calme-toi. C'est atroce. Vous avez vraiment besoin de notre adresse? Bien sûr, bien sûr. Nous comptons rester encore au moins 2 semaines. Ça ne fait rien, donnez-la-moi. Ah. Ils veulent notre adresse. Tu as quelque chose pour écrire? Oui. Il faut que je parte demain. Vraiment désolé. Dans un western, ça tire de partout. Non, j'ai pas entendu quoi que ce soit chez mes voisins. Nous avons regardé un film de guerre, on n'a pas pu entendre quoi que ce soit. Mais s'il vous plaît, changez-nous de chambre, je vous en prie. Oui, bien sûr. Ce sera fait immédiatement. Ne vous préoccupez d'or. Oh, madame. Dieu, mais quelle horreur, une chose pareille. Quelle horreur. Merci. Vraiment désolé, je n'ai pas entendu quoi que ce soit, je vous assure. Ah, excusez-moi. Je dois vous remettre mon adresse. Qui c'était, lui? Le garçon d'étage. Connaissiez-vous l'homme ou la femme? Pardon? Les deux personnes qui sont mortes là-haut. Non. C'est épouvantable. Je vous demande pardon. Réception. Mais le garçon d'étage, là, on aurait eu besoin de lui demain pour enregistrer sa déposition. Alors tu aurais pu lui dire quelque chose. Mais toi aussi, tu n'y as pas pensé. Le monsieur de la chambre 103, lui, a regardé la chaîne 5 de notre vidéo interne, un western. Et le couple du 151, un porno. Comment? Nous, regarder un film porno, nous? Nous n'avons pas besoin de ça. Je dis ce que je vois. Un instant, un petit instant, s'il vous plaît. Ah non, excusez-moi, sur la chaîne 7, un film de guerre, aussi en vidéo, La Croix de Fer. Vous vous rendez compte, nous, regarder un porno? Oh, viens, allez. Oh. Tout ça, vous pouvez le contrôler? Oui, c'est-à-dire, je peux tout contrôler. C'est-à-dire, enfin, presque tout. Mais si vous êtes si bien renseigné, vous ne devriez pas mentir à la police. Moi, vous mentir? Oui, c'est ça, vous. Connaissez-vous un certain monsieur Sikorski? Docteur Klaus Sikorski. Et tâchez de dire la vérité, cette fois. Ah, mon Dieu, c'est... Tout ça est épouvantable. Oui, il venait depuis des années chez nous. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt, alors? Parce que d'habitude, nous ne faisons pas ça. Mais le docteur Sikorski, avec tous ses congrès, nous apportait toujours des tas de clients. Connaissez-vous la femme qui était avec lui? Oui. Elle retrouvait souvent le docteur Sikorski ici. Vous connaissez son nom? Non. Non, son nom, je ne le connais pas. Moi, j'ai de la peine pour madame Sikorski. Le docteur Sikorski était marié. Une femme merveilleuse. Merci. Comment ça? Merci. Ah, excusez-moi. Allez, venez avec moi. Oui, la réception. Oui. Je m'en occupe. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le spectacle. Veuillez retourner dans vos chambres, s'il vous plaît. Alors? Pour vous, vous allez chez madame Sikorski? Oui, et toi? Et moi, je vais aller à l'adresse de cette femme, madame Bogdan, Verena Bogdan. Très bien. Voilà notre adresse. À qui dois-je la donner? À moi, à moi. Vous voulez bien? Merci beaucoup. Tenez, Elsa. Oui, oui, mon chéri, je viens. Vous voulez un café, monsieur le commissaire? Avec plaisir.
dedans, il y a eu de la casse. Depuis quand tu t'intéresses à ce genre de truc? On n'est quand même pas au chien écrasé. On est de la police judiciaire, nous. Je crois qu'il y a quelqu'un. Allez, viens, allons-y. Bonsoir. Cresse, police criminelle. Entrez donc, vous désirez. Votre fils est à la maison. Mon fils? Oh oui, je vous en prie. C'est la police qui veut te voir. Vous êtes monsieur Bogdan? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Bogdan, Oui? Savez-vous où votre femme se trouve en ce moment? Non, enfin... C'est-à-dire, oui, elle avait l'intention d'aller dîner avec une amie. Qu'est-ce qu'il y a encore avec cette petite traînée? Maman, s'il te plaît. Excusez-la. Ma mère a de mauvais rapports avec ma femme. Votre femme est morte, monsieur Bogdan. Elle a été tuée à l'aide d'un pistolet dans une chambre d'hôtel. Morte? Voulez-vous que j'appelle un médecin, madame? Madame Sikorski? Non. Je suis moi-même médecin. Asseyez-vous. Où ça avez-vous dit? À l'hôtel Exposite. Il était seul? Non, il y avait une femme avec lui. Et que lui est-il arrivé? Elle aussi, elle est morte. Une balle. Je suis désolé, mais nous avons besoin de votre aide. Et en quoi est-ce que je pourrais vous aider? J'ai passé toute la soirée ici. Quand avez-vous parlé à votre mari pour la dernière fois? Il m'a téléphoné et il a dit que le dîner avec Brett Schneider durerait plus longtemps que prévu. Quand a-t-il appelé? Je ne sais plus exactement. Qui est Brett Schneider? Un ami de mon mari, biologiste et médecin. Est-ce que votre mari... Est-ce qu'il avait aussi des amis, eux? Mon mari avait des maîtresses sans arrêt depuis des années. Mon mari faisait des affaires désastreuses depuis toujours. Avec son ami Brett Schneider, ils s'occupaient tous les deux de recherches génétiques. Et vous me demandez si je peux vous aider, c'est ça? Excusez-moi. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Entre nous, entre mon mari et moi, je ne sais pas comment je vais dire ça. Je dois dire que je ne sais pas pourquoi tout a évolué dans ce sens, mais il ne nous restait plus à la fin que notre travail. Peut-être un fond de désir encore de son côté. Je l'ai beaucoup aimé. Vous avez des enfants? Voyez-vous, s'il vous plaît, me laisser seule maintenant. Vous êtes sûre que ça va aller, Madame Sikorski? Est-ce que mon mari... J'aurais tant voulu le revoir une dernière fois. Demain, chez le médecin légiste, où peut-on vous joindre demain? Au bureau. Ou non. Je ne sais pas. Appelez-moi ici. Merci beaucoup, Madame Sikorski. Non, ne prenez pas la peine de nous raccompagner. Oui... Si vous téléphonez, vous laissez sonner longtemps, je vais prendre des somnifères. Bonsoir. Pourrais-je revoir ma femme une dernière fois? Oui. Demain, chez le médecin légiste. Mon fils était à la maison à 10h moins le quart. Je sais l'heure exacte parce qu'il y avait aujourd'hui le mandat. Maman, tu ne pourrais pas laisser tomber, enfin. Monsieur Crest n'a absolument rien demandé. Mais il ne va pas tarder à le faire. Et tu pourrais nous laisser tranquille, s'il te plaît. Vous avez des enfants? Monsieur Bogdan, quel métier exercez-vous?
Avant, je travaillais dans les transports de fonds. Et maintenant, je travaille depuis 4 ans comme détective. À mon compte. Votre femme travaillait, elle aussi? Oui. Elle était secrétaire chez Westmüller. Elle s'absentait souvent le soir? Non, pas très souvent. Évidemment, moi aussi, je m'absentais souvent. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Prévention d'espionnage industriel. Je surveille un Algérien pour un client. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui? Oui. Eh bien, monsieur Bogdan, il ne me reste plus qu'à vous exprimer mes sincères condoléances. Merci. Je l'ai beaucoup aimé. Ma femme. Ah, j'oubliais. Vous avez une arme, j'imagine. Oui. C'est... Ça va vous sembler ridicule, mais... Quoi est-ce qu'il y a? On me l'a volée. Comment? Quoi? Comment est-ce possible? Comment a-t-on pu vous voler votre arme? Je n'ai pas fermé la voiture à clé, je suis parti une minute. Et elle avait disparu. La boîte à gants est ouverte. Et ça s'est passé quand? Hier. Vous avez bien sûr prévenu la police. Non, je voulais faire ça ce matin. Je n'ai vraiment pas eu le temps hier et... J'étais un peu gêné. Autre chose vous a été volée dans votre voiture? L'arme uniquement? Oui. Enfin non, maintenant que j'y pense, mon appareil photo et mes jumelles y étaient aussi. Vous voulez voir mon autorisation de détention? Non. Vous signalerez ce vol le plus vite possible au commissariat. Mais le plus vite possible, monsieur Bogdan. Et n'oubliez pas votre autorisation. Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maman. Oui. Attends, maman, je t'en prie. Oui? Vous n'avez même pas demandé qui était l'homme avec lequel votre femme a été retrouvée. Pourquoi? C'est obligatoire? Ah non, pas obligatoire. Tenez-vous à notre disposition demain, voulez-vous? Madame Ballas? La police est venue vous voir? Oui. Alors racontez-moi. Et pourquoi est-ce que je parlerai au meurtrier de mon mari, moi? C'est vous qui avez tué mon mari! Vous avez tué votre mari et ma femme. Votre orgueil était donc si blessé qu'il lui fallait un meurtre. C'est pour ça que vous avez commis un crime, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai commis? Comment est-ce que j'aurais pu le faire? J'étais à la maison, monsieur Bogdan, c'est absurde! Vous n'étiez pas chez vous, et ça je le sais. Mais dites enfin quelque chose! Je n'ai aucune raison de me justifier! Eh bien, vous pourrez répéter tout ça au commissaire. Parce que vous avez dit ça à la police? Pardon? Qu'à votre avis, je n'étais pas à la maison. Non, j'ai pas dit ça. Et pourquoi pas, je vous prie, puisque c'est le cas? Parce que personne ne m'aurait cru, voilà, personne. Et encore moins la police. Pourquoi pas? Et pourquoi est-ce que personne ne vous aurait cru? Parce que c'était Verena Bogdan à l'hôtel, ma femme qui avait une aventure avec votre mari, et vous? Vous le saviez depuis le début. C'est pour ça que vous m'avez chargé de l'enquête, pour que ce soit moi qui paie pour les deux meurtres. Ça, vous allez me le payer, monsieur Bogdan! Vous les avez abattus de vos mains! Madame Sikorski,
Je possède la photo de votre mari avec la dédicace. Elle prouve la mission que vous m'avez confiée, n'est-ce pas? Et là, je crois que pour la police, il ne s'agira plus d'un hasard. Tout dépendra de qui sera le plus crédible, monsieur Bogdan. Ça dépendra de ça. Après la mort de ma femme, tout m'est égal. Alors mettez-vous dans la tête que si je suis arrêté pour meurtre, vous tombez avec moi. Car le contrat était de vous, un meurtre mandaté. Et ça, ça va chercher dans les 10 ans. 10 ans de votre vie. Disparaissez! Sortez d'ici! Dehors! Ce n'est pas terminé. On va se revoir. Et ça, quand je voudrai, vous viendrez. Je vous appelle. Criminel, ici Bravo 3511. On l'a retrouvé, les collègues nous ont un petit peu aidés. Mais il nous manque à peu près une bonne demi-heure. Et maintenant, quelque chose d'important pour Redman. Bonjour Léo. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'un cabinet médical peut faire faillite? Pourquoi pas, au fond? Dans ce cas, les Sikorsky sont au bord de la faillite. Il a emprunté sur tout ce qu'il a pu, cabinet, appareil, villa. Il a spéculé à terme, à la bourse, sur tout ce que tu veux. J'ai jamais vu ça. Oui, il y a autre chose? Oui, à part ça, nos plongeurs en action depuis les premières lueurs de l'aube ont trouvé des choses dans le canal. Un appareil photo, une longue vue et un pistolet que Bogdan y avait balancé. Tu pourrais faire un petit A-A. Hum? A-A? Hé, hey. Grèce? Qui? Madame Weinert? Les poissons! Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que... Mais bon Dieu, je cherche ce que je cherche! Tu n'aurais pas vu une photo qui traînait? Oh! Tu as toujours été très désordonnée, déjà enfant. Madame Weinert, il faut absolument que je vous parle. Hier soir, je... Enfin, hier soir, j'étais absolument horrible avec vous. Madame Weinert, je voudrais me faire pardonner. Est-ce que vous pourriez venir me voir? On pourra arranger les histoires d'argent. Je serais très contente si vous apportiez les dossiers avec vous. S'il vous plaît, ne tardez pas trop. Désolée de ne pas vous joindre personnellement, monsieur Weinert. Tant pis, il faudra que ça se fasse au téléphone, alors. Nous sommes jeudi, en fin d'après-midi, très exactement un peu avant 18h. Ainsi que je vous l'avais déjà laissé entendre, je désire que vous interrompiez votre surveillance. Je vous appelle donc pour mettre un terme à votre collaboration. Je suis entièrement satisfaite du résultat. Je vais de mon côté détruire le dossier concernant votre surveillance. Veuillez en faire de même. Et puis je vous demanderai de m'envoyer le montant de vos honoraires, et non pas à l'adresse de la clinique, mais au bureau de poste central, poste restante, adressé à mon nom. Et je vous remercie pour tout le mal que vous vous êtes donné. Au revoir. Madame Sikorsky. Les dossiers en question, je n'ai pas pu les trouver parce que... Mon mari fait pour le moment assez peu usage de la maison. Il est alcoolique et il vient de repartir pour un tour. Mais je connais le contenu du dossier. Je l'ai tapé moi-même à la machine, vous comprenez? Continuez, je vous en prie.
Mon mari a été employé pour une enquête par Madame Sikorsky. C'est son mari qu'il devait surveiller. Vous connaissez l'hôtel Exposite? Directement en face de l'hôtel, il y a une petite pension. Vous devriez y aller jeter un coup d'œil. De la chambre 12, on a une vue parfaite dans la chambre qui fait vis-à-vis dans l'hôtel Exposite. Vous savez, justement dans la chambre dans laquelle le docteur Sikorsky retrouvait toujours cette femme, vous voyez? J'ai appris toute cette histoire ce matin à la radio, aux nouvelles. Mais c'est la pension Hohenstaufen, le propriétaire, on le connaît. La cassette, vous nous la confiez pour l'instant, oui? Oui. Merci, Madame Weiner. Est-ce que par hasard, il y aurait une récompense pour cela? J'ai besoin d'argent. Je pense que oui. D'après ce que je sais, mon mari a dit à Madame Sikorsky le nom de la petite amie. Bogdan. C'est ça. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous êtes le diable dont on en a parfois besoin, Madame Weinert. Ah oui, mon collègue Marc ici que votre voiture est dans l'entrée du garage de Mme Sikorsky, c'est exact? Oui, je voulais en fait dénoncer Mme le docteur Sikorsky pour le délit de fuite après les dégâts matériels, mais hier soir... Vous avez vu Mme Sikorsky hier au soir chez elle? Oui, bien sûr. Venez, je vous emmène. Vous allez m'expliquer ça plus en détail. Quand on est connu de la police, pour quoi que ce soit, ça reste pour toute la vie, hein? J'ai raison, non? Oui, ça se pourrait bien, oui. On aurait voulu voir la chambre 12, s'il vous plaît. Elle vient justement d'être relouée, monsieur Aymad. Oh, cette chambre peut se féliciter d'être très demandée. C'est le cas, non, monsieur Burmeister? Ça, on peut le dire, oui. On aurait quand même voulu voir le 12. Le monsieur attend bientôt une visite, qu'il a dit. Une dame. Une dame? Mais ce qui l'agitait bien plus que la dame, c'est de retrouver la photo. Ça, il y tenait vraiment. Quel genre de photo? La femme de chambre me l'avait rapportée. Je lui ai déjà rendu. Qu'y avait-il sur la photo, s'il vous plaît? Attendez, où est-il, ce journal? Monsieur Burmeister, un café, s'il vous plaît. Oui, un petit instant. Regardez la première page. Il l'a oubliée hier au soir dans sa chambre. Ou peut-être perdu. Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que je peux téléphoner? Je ne vais pas vous en empêcher. Elle est cinglée, cette Madame Sikorsky. Moi, je ne voulais que l'argent qui revenait à mon mari, de droit. Et elle s'est mise à dire que je voulais la faire chanter. Elle a démarré si vite qu'elle m'a démoli l'aile arrière. La roue arrière était tellement coincée par le pare-choc que je n'ai pas pu m'en aller. J'étais obligée de laisser la voiture là-bas. Non, je ne peux plus attendre maintenant. Si vous trouvez Kress, dites-lui qu'il faut qu'il vienne ici dès qu'il le pourra. Pension Hohenstaufen dans la Peterkofernstrasse. Oui, merci. Bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service? Bonjour, je voudrais voir Monsieur Bogdan, chambre 12. Qui ça? Ah oui, chambre 12. La dernière porte à droite, s'il vous plaît. Merci. Et maintenant, quelle est la suite? Je ne suis pas armée. Vous n'étiez pas chez vous hier au soir. Ni votre voiture, ni vous. Je suis passé chez vous, je voulais vous parler. Mais laisser la lumière allumée, c'est loin d'être un alibi. Vous n'avez toujours pas compris votre situation. Je vous en prie.
Ne vous dérangez pas pour moi. Kress, police criminelle. Je présume que vous êtes Madame Sikorski. Oui, c'est elle. Et elle a tué son mari et ma femme. Regardez-le donc. Mais enfin, il a peur que vous sachiez déjà qu'il a tué mon mari et sa femme hier soir. Mais je le sais déjà, c'est vrai, Monsieur Bogdan. Vous avez empêché votre arme dans le canal ce matin. Et votre appareil photo. Et aussi vos jumelles. C'est de votre arme que sont partis les trois coups mortels. Ça, c'est mon arme. Mais laissez donc ce pistolet, allons. Faites donc pas de bêtises, Bogdan. Vous ne bougez pas. Tournez-vous vers le mur. Vous ne m'aurez pas. Pas vous. Et même si c'était moi. Lâchez votre arme! On reste calme. Oh. Madame Sikorski, bonjour. Tout est en ordre, Léo? Tout est en ordre. Amenez-le au commissariat. Il est déjà en route. Rappelez-moi encore une fois votre nom, s'il vous plaît. Kress. Pourquoi vous ne me dites rien? C'est vous qui avez employé Bogdan pour surveiller votre mari. Oui. Et pourquoi? Je voulais savoir qui était la petite amie de mon mari. Ce n'est pas toute la vérité. Lorsque vous avez employé Bogdan, vous saviez déjà que la maîtresse de votre mari s'appelait Verena Bogdan. Mais comment? Qu'est-ce que vous dites? Je peux le prouver. Mais comment voulez-vous vous en servir contre moi? Je n'ai enfreint aucune loi. Mais est-ce que c'était le bon moyen? Qu'espériez-vous obtenir par là? Je voulais que mon mari rompe avec Madame Bogdan, voilà. Oui, ça c'est ce que vous vouliez. Comment vous avez déclenché une tragédie avec votre mise en scène? Comment vivre ça? Avec la mort de mon mari? Avec cette culpabilité? Ça, il n'y a personne qui puisse vous l'enlever. Bogdan va dire que je l'ai incité à faire cette folie. C'est ça qu'il va dire. Oui, alors? Et alors? Qu'est-ce que je dois répondre à ça? Dites-lui que je... que je n'ai pas voulu une chose pareille. Je voulais simplement qu'il raisonne sa femme et que mon mari revienne enfin auprès de moi. Voilà ce que je voulais.